Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler des silk screens. Donc, c'est une matière qui est micro-tissée. Donc, ça permet d'avoir des motifs extrêmement fins comparativement à ce qu'on pourrait obtenir avec un pochoir ou un embossage à chaud. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est un motif. C'est difficile d'obtenir la même chose avec un pochoir. Hein, c'est pas du tout la même matière. Les pochoirs sont plus rigides, les silk screens sont très légers. Voilà, ça demande une petite prise en main que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, la première chose que je vous recommande, si vous commencez à utiliser les silk screens, en fait, le principe, c'est de faire passer la matière à travers les mailles ultra fines. Donc, avec par exemple une ancienne carte de fidélité, on va racler par-dessus. Donc ça, c'est la première chose à avoir. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser et ce qu'on va tester, c'est par exemple de la pâte à texture. Donc moi, j'ai de la modeling paste basique blanche, mais vous pouvez utiliser par exemple une pâte précolorée comme toute la gamme qu'il y a chez EasyInk. On peut utiliser également de la peinture acrylique. Les mousses Nuvo, juste faire attention si vous les avez depuis un moment, il se peut qu'elle ait un peu séché. Donc, faut pas hésiter à vaporiser un petit peu d'eau avant l'usage, directement dans le pot, pour réhumidifier un peu la matière et qu'elle soit plus facile à manipuler. Ouais, ensuite, si vous êtes adepte du mix média, vous avez peut-être par exemple des médiums, donc un médium transparent, ça marche. Donc, tout ce qui est vraiment très crémeux, ça va passer à travers la matière et donc ça va donner des bons motifs. En revanche, ce qui a évité, alors ça, c'est interdit, c'est tout ce qui est à base de paillettes incluses. Parce que là, vous voyez, ça va être une matière. Les paillettes, en fait, vont pas passer à travers les trous du silk screen. Ça risque de le boucher, voire même d'abîmer. Donc, on évite à tout prix. Voilà. Ce qui va pas passer non plus, c'est par exemple les distress oxydes, parce que c'est pas assez crémeux. Du coup, ça, on va pas pouvoir l'utiliser directement dessus. Et mon conseil avant de démarrer, ce qui est important, c'est de nettoyer le silk screen tout de suite après usage. Parce que si la peinture, la matière que vous avez utilisée sèche à l'intérieur des micro-perforations, après c'est plus difficile à récupérer. Donc ce que je vous recommande, c'est d'avoir à proximité sur votre plan de travail un petit bac plastique avec de l'eau. Comme ça, dès que vous avez utilisé le silk screen, vous le mettez à tremper dedans et vous pourrez le nettoyer plus tard. Ce qui fait que vous faites tous vos essais en une seule fois et vous faites le nettoyage après. On va faire un premier essai avec celui-ci. Bah, je ne sais pas si vous voyez, mais le motif est vraiment ultra fin. C'est un régal pour les yeux. Bah celui-là, il s'appelle Zentangle. Donc, on va tester avec l'acrylique. Alors, l'acrylique, donc c'est crémeux, mais ça reste quand même un petit peu liquide. Donc, ça va dépendre de la qualité de votre peinture. Si elle est vraiment très liquide, ça risque de faire quelques coulures en dessous. Donc le truc, ça va être de vraiment bien tenir le silk screen à plat et de racler sans bouger. Oui, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Hein. Ça c'est fait. Et voilà ce que ça me donne. Et je le mets tout de suite à tremper. Alors il faut bien appuyer sur la surface pour que ça coule au fond, parce que sinon il va flotter au-dessus de l'eau et le dessus va sécher. Donc ça, c'est un premier essai.
On va attendre un tout petit peu, mais je pense que en 2-3 minutes, ce sera sec. Deuxième test. Alors, je vais prendre un papier de fond noir. Voilà. J'ai de la matière sur les doigts. Et ouais. Allez, par contre, celui-là, il est un peu. Il est un peu granuleux. C'est un papier à motif, à texture. Ça risque d'être moins bien. Donc, quand vous le faites, vaut mieux que ce soit sur un papier lisse. Et donc là, je vais prendre de la pâte à texture. Moi, c'est de la classique blanche, mais vous pouvez utiliser toutes les gammes de pâte à texture déjà colorées. Comme par exemple toute la gamme EasyInk, ça passe sans problème. Donc rappelez-vous qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. L'important, c'est que ça ne bouge pas pendant que vous l'appliquez. Et voilà. On met à tremper tout de suite. Voilà. Pendant que j'ai fait le deuxième, je vérifie le premier. Et vous voyez, il est déjà sec. Donc, pas besoin de heat gun. Ça sèche ultra rapidement parce que finalement, il y a très peu de matière utilisée. Ouais, je sais pas si. On voit bien la caméra. Je ferai des photos en gros plan pour vous montrer le relief que ça fait. Voilà. Et celui-là, il est quasiment sec. Alors, autre test. Si vous êtes fan de mix média, vous avez peut-être des médiums. Donc, par exemple, j'utilise celui-là, c'est un gel gloss transparent. C'est assez épais, du coup, c'est facile à manipuler. L'idée, c'est de récupérer le motif un peu neigeux. Pour pouvoir faire un travail de couleur après. Là, vous voyez, j'en ai même pris beaucoup trop. Celui-là, il va mettre un petit peu de temps à sécher. Donc, je vais le mettre de côté. Une fois qu'il est sec, en fait, il est transparent. Donc, l'idée, ça va être de retravailler la couleur pour que d'un côté, on continue à voir la couleur de papier d'origine et de l'autre, on voit une couleur différente ou plus foncée. Je vais mettre à sécher là. Et donc, c'est le moment de tester les mousses Nuvo. Donc celle-là, hein, je vous l'ai dit au préalable, j'ai vaporisé un petit peu d'eau dedans pour être sûr qu'elle soit bien crémeuse. Parce que si vous les avez depuis un certain temps, elles ont tendance à durcir un peu. Donc là, vous voyez, c'est quand même, ça reste bien crémeux. Donc c'est l'idéal pour travailler, que ce soit les silk screens ou les pochoirs d'ailleurs. On est parti. Alors, si vous vous sentez en veine, vous pouvez éventuellement soulever très rapidement le motif et le reposer un chouïa en dessous. Donc, l'idée, c'est de ne pas
le poser par-dessus le précédent. On peut faire ça si vous travaillez rapidement. Il faudrait vraiment pas laisser le silkscreen sécher. Les mousses nuvo, c'est vraiment ce qui sèche le plus rapidement. Donc, travaillez vite et mettez-le à tremper vite. Voilà, vous voyez, c'est déjà sec. Là, il n'y a même pas de temps d'attente. C'est sec. À être utilisé. Donc, on peut imaginer retravailler avec une encre plus foncée à la brosse, au pochoir, ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est une base de travail. Après, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Alors, après, bah, vous pouvez retravailler les surfaces comme vous voulez, hein. Donc, on peut imaginer rajouter de l'encre. Travailler avec les mousses. C'est Tout est utilisable en fait. Après, vous laissez votre imagination vous guider. Voilà, pour vous donner une idée, j'ai commencé un fond de carte. Voilà, tout simple. Donc vous pouvez les retravailler comme vous voulez. Par exemple, celui-ci, je peux le retravailler avec de l'encre ou je peux tenter par exemple de remettre un motif de silkscreen dessus avec une autre couleur. Donc en ciblant, on voit un petit peu à travers les zones qui restent un peu blanches. Par exemple, et maintenant, donc voilà, celui-là, il est complètement sec. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose, hein, puisque c'est transparent. On distingue le motif, mais il n'est pas vraiment mis en valeur. Ça peut être un choix. Ou alors, on va venir avec une couleur plus foncée pour le mettre en valeur. Alors j'ai fait le verso avec le même motif que celui-ci. C'était pour essayer. Donc on teste en direct. Hop. Voilà ce que ça me donne. Et vous voyez, on voit vraiment bien le motif. Tout le détail. Donc, quel que soit le silkscreen, ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.
En bonus, je vous montre le processus jusqu'au bout, comment je nettoie mes silkscreens. Donc là, j'ai le bac où je les ai mis à tremper tout à l'heure. Je vais en prendre un. Peu importe. Et on va le passer sous une eau légèrement tiède. Aussi froide si vous préférez, si vous avez le courage. Vous pouvez mettre un petit peu de savon pour être sûr de bien enlever toute la matière. Donc l'important c'est de le frotter mais toujours en restant à plat. Donc on peut y aller de façon énergique mais en restant quand même délicat pour être sûr de ne pas abîmer la matière. Et en travaillant toujours à plat, je le nettoie bien sans l'abîmer. Voilà, alors on agite un petit peu pour les goûter. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre en sandwich dans une serviette éponge. Vous pressez. Donc, ne jamais le tordre, hein, évidemment. Ah, vous voyez, il est quasiment sec. Dans 2-3 minutes, il est prêt à être réutilisé.